Bonjour à la maison, c'est moi Guiz et bienvenue à un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. On est maintenant en 2022. Est-ce que la chance nous sourira? Parce qu'on le sait, Chilling Rain a été très dur avec nous. Tout le monde nous a envoyé leurs cartes, tout le monde avait des belles affaires, puis nous on n'avait presque jamais rien. Donc j'ai décidé de briser cette malédiction. Et par la briser, je veux dire, je vais ouvrir une boîte et espérer que ce soit meilleur. Ne sait-on jamais? Alors, on ouvre une boîte de booster, on va faire la moitié dans cet épisode et l'autre moitié dans l'autre épisode. Et si vous appréciez les vidéos d'ouverture de cartes Pokémon, merci de liker la vidéo et de laisser un petit coucou dans les commentaires. Je lis tous ces commentaires avant de me coucher. Ben, je vais prendre la moitié. Et là, j'ai un peu raté mon coup. Allez, présente-toi. Voilà, nous avons nos paquets et je pense que je vais séparer les petits Zapdos poulet orange pour les garder pour la fin. Pas poulet. En fait, c'est tous des poulets, mais c'est pas les poulets nécessairement qu'on veut. Donc, je garde les petits oiseaux orange. Voilà, excellent. On a juste une vie à vivre. Ouvrons ce premier paquet, c'est parti. Ben, voyons le Clobopus. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un code, tout va bien. 1, 2, 3, 4, énergie de type coup de poing dans ma face. Nous avons Kirlia. Nous avons ensuite des gants de justification. Ensuite, nous avons des Weeding Gloves. Nous avons le Clobopus. Il y a un Cast Form. Athena Matata. Aaron Carter. Un Ralts. On a ensuite Sphiel. Et on termine avec... absolument rien pour commencer, je suis déçu. Là, ça se passera pas comme ça, Chilling Rain. J'ai l'air fou. J'ai fait une intro dans laquelle j'expliquais qu'il fallait que ça soit mieux. Puis toi, t'es comme, ah ouais, regarde bien le premier paquet. C'est pas comme ça que je veux vivre ma chaîne de Pokémon cette année. Oh, non. 1, 2, 3, 4, énergie, Gabriel des Trois-Maisons. Attention, le feu, c'est chaud. On a des gants crushing. On a Kirlia. Des gants de justification. Farfetch Galarian. Froufrou. On a un Venipede. Sphiel. Un Crabrawler. Docteur et... au moins une holo, là. Comment? Holo! Il s'agit d'un Thundurus holographique. On brise la glace, mesdames et messieurs. La glace est brisée. Est-ce qu'on peut rester la tête en dehors de l'eau? Je dis un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de gagner. Puis pour gagner, ben il faut ouvrir des paquets. On y va. 1, 2, 3, 4. Énergie de type mouillé. Vous voyez, le feu était là. Tout le temps un peu en avance, un peu en retard. On a un Ledron. On a un Steenie. Un Rocked Helmet. Ensuite, on a un Scorbunny. Diglett. Colette. Deerlingette. Wow. Sneasel. On a un Snover Reverse. Et on finit avec... Zangoose. À date, on est 1 en 3. C'est inacceptable, sauf si on a 1 en 3 et que tous les autres sont des V en montant. Dans ce cas-ci, je serais capable d'accepter d'avoir seulement un hit à tous les 3 paquets. 1, 2, 3, 4. Énergie de type encore mouillé. Non, faut pas paniquer. On a Pat to the Peak. On a Atrem. Un Ledron. Weedle. Ensuite, on a le Clobopus, Mareep le mouton, Ralts, Swirlix. On a un Malamar Reverse, toujours agréable d'avoir des rares Reverse. Et on finit avec... oh, un Galarien Weezing. Regardez, c'est une usine à pollution avec des moustaches. Hey, 2022, c'est quoi ton problème? Tu te prends-tu pour 2021? Franchement, moi, des années copier-coller, c'est non. Bon, 1, 2, 3, 4, énergie de type matière grise. Yes! OK, là, on a deviné l'énergie. Là, ça va bien aller. OK, non, là, je la sens bien. Là, OK, Kakuna, Pat to the Peak, ça va très bien. Atrem, Porygon, je l'aime beaucoup. Heracross, ben oui, on a un Sobble. Inky, ça va super bien. Un écureuil. On a Passimian, Reverse, et on finit avec... mais là, j'avais devenu l'énergie. Là, c'est non. Non. Je vais pas faire une vidéo Pokémon
que j'ai juste une holographique. Ça, c'est non énergie de type. Encore des yeux dans mes yeux. On a un chestplate. On a Caitlyn de League of Legends. Kakuna. On a Choupette qui est dans la neige. Koubfou qui se prend pour un shiny parce qu'il y a des étoiles. Blitzel qui est sur une île. Quillfish qui est ailleurs qui est dans l'eau. Je sais pas pourquoi. Slowpoke. On a un Lycanroc. C'est le fun d'une reverse rare. Et un Rillaboom holo. OK. C'est OK. 10 sur 10. Tout va bien, mesdames et messieurs. Tout va tellement bien. On avance. Mais c'est pas tout d'avancer. Il faut aussi être bon. Je pense que j'ai vu quelque chose. Non, peut-être pas. Tu sais, je suis rendu que je veux me spoiler tellement que j'ai rien. On dirait que les cartes sont laides. Je vais y aller avec une énergie. Là, on a eu mouillé le dernier. Encore mouillé. J'aurais dû penser que mouillé, ça arrose les plantes. On a un Whirlipede. Toi, qui? Peony qui est dans la neige. Bandsweet qui est une cerise. Koubfou, un ninja. Inky qui a une boîte à lunch dans ses mains. Diglett. On a un Scorbunny. Un Sabuck Reverse. Et come on. Scolipède! Bon, on se calme. On se calme. Je suis calme. Je suis super calme. Je suis excessivement calme. Là, 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 là. Hey, deux petites holos, c'est tout ce qu'on a pu se mettre sous la dent jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, 4. Énergie de type feuillu. J'ai tendance à dire celui d'avant. Oh, c'était Batman. C'était Batman. Avery. Lydia. Old Cemetery. Cast Form. Snover. On a un Yamask. Coughing. Choupette. Welcoming Lantern. Et absolument rien. Allô? Y'a-tu quelque chose? Je perds-tu mon temps? Hey! Pour me faire 2021-isé par des paquets de 2022, peut-être que c'est parce que je les ai achetés en 2021. Fait qu'ils restent pas bons. Ou peut-être que cette série-là est juste pas pour moi. Je devrais comme me dire, bon, non, cette série-là, Giz, non, ça marche pas. Énergie de type Hydro-Québec. OK, là, on a deviné l'énergie. On a chialé. Tout va bien, tout va bien. On a un crabobinable homme des neiges. On a une énergie de spirale. On a miel. On a un Slowpoke. Weedle. Le Clobopus. Mareep. On a un Ralts. On a un Zangoose. Et... oh, come on! OK, c'est un Grident. C'est une carte holographique, mesdames et messieurs. C'est je capote. Là, là, on a trois holos jusqu'à maintenant. Ça n'a pas de bon sens. Même ma mère, elle connaît pas ça puis est fâchée. 1, 2, 3, 4. Énergie de type gazonneuse. On veut de la tourbe. Peonia. Des gants qui résistent au feu. Un homme des neiges. Une carte opus. Un singe dans la neige. Sneasel dans la neige. Farfetch et son céleri qui est en fait autre chose. Castform. Rillaboom. Reverse quand même. Et... ah, Tsarina. Bon, là, là. Là, 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 là. Peut-être que toutes les cartes sont dans la deuxième moitié. Et par deuxième moitié, je parle de la deuxième moitié de booster qu'on va faire dans l'autre épisode. Mais peut-être pas. Bougez pas, là. Sinon, vous le saurez pas. Énergie de type matière grise. J'ai failli chanter le feu, c'est chaud, c'est dangereux. On a un Silaello. Peonia, des gants de feu. Un Pokémon feu dans la neige. Un Pokémon dans la neige. Un Pokémon ninja. Blitzel dans l'eau. Quillfish. On a un Weedle reverse et... un Pikachu. Bonjour, je m'appelle Giz. J'ouvre des cartes Pokémon et j'ai absolument rien. Merci de m'avoir écouté. On dirait que c'est une boîte de la honte. On dirait que c'est une boîte qui, en tout cas, toute la joie a été enlevée. Hydro-Québec. Ben, c'est ça, c'est même pas ça. On a un Hunter. On a un Docteur. On a un Cilealo. Un Oh Darling. Un Delibird. Larvesta. Marip Street. Heracross. Choupette. Et un autre serpent. Il reste juste deux paquets avant les paquets de petits poulets. Peut-être que c'est eux qui contiennent toutes les bonnes cartes. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe! Ben oui, c'est logique! Ben oui, toi! 1, 2, 3, 4. Faut qu'on ait encore deux mauvais paquets, hein?
Ben oui, énergie, bah, yeux. Sean Avery, on a un Flaffy, Clara, Vinipede, on a un Bandsuit, un Lapras, Blitzol, un Aaron, Cobalion et... Okay, mes attentes sont tellement basses. Hein, il y a des cartes dans le paquet, incroyable. J'ai jamais eu autant de pas de hit, même si je faisais des blagues, comme quoi cette série-là était pas gentille avec moi. Là, on vient de toucher le fond du tonneau. Énergie de type Pikachu. Des gants gazonneux. Sean Avery. On a un Flaffy. Colette. Porygon. Grookyard Vark. Mareep. Rockruff. Honey. Et un Galant. OK. Il reste nos 4 paquets qu'on avait mis de côté au début. Avec les poulets. Peut-être qu'il y a 4 hits là-dedans. On y va pour le premier. Ça serait incroyable qu'on finisse avec 4 hits. Je serais excessivement content. 1, 2, 3, 4 énergies de type coup de poing dans ma face. OK, on a deviné l'énergie. On est dans les petits poulets. Ça sent... Oups, j'ai pitché ma carte. C'est pas grave. Steenie, je vois même qu'il y a quelque chose à la fin. Rock Delmet, Crushing Glove, Yamaska, Cast Form, Cast Form, Ladyba, Colette, Siebold. Je suis content d'un Sanda Kondovi, mesdames et messieurs. Deuxième petit poulet, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut battre une V? Est-ce qu'on peut avoir une V Max? S'il vous plaît, juste une, là. Juste une petite V Max. Au moins, on est un en un dans les paquets de petits poulets. 1, 2, 3, 4. Énergie de type petit poulet. Non, ça n'existe pas. Feu. Parce qu'il y a un poulet dans le feu. Et j'ai eu une matière grise. On a Clara. Hunter. Docteur. Dearling. On a un Bandsuit. Kubfu. Inky. On a Diglett. Drizzle. Et on finit avec... C'est une holo. Ça compte. Deux en deux. Les poulets sont deux en deux, mesdames et messieurs. On applaudit les poulets. Est-ce que les poulets sont capables d'avoir 3 en 3, mesdames et messieurs? Est-ce que les poulets peuvent sauver les épisodes? Sérieusement, si les poulets sont 3 en 3, c'est incroyable. Donc, 1, 2, 3, 4. Énergie de type yeux. J'ai malheureusement pas devenu l'énergie. Et je crois que les poulets sont 3 en 3. Spirale énergie. Je vois quelque chose au bout. Honey, Avery, Larvesta, Sobble. On a Ladyba, Squavette, Crabrawler. On a un Mareep et un Shadow Rider Calyrex. Oh yeah! Ben là, ça n'a pas de bon sens. 3 en 3, 4 en 4. Est-ce que la meilleure carte se trouve dans ce paquet-là? Ça serait juste fou. Est-ce qu'on finit l'épisode en beauté? C'est déjà quand même bien. Mais encore plus en beauté. Énergie de type coup de poing dans ma face. Alors, nous avons Peony. Nous avons un Chestplate. Kaitlyn de League of Legends. Blitzel. On a Ghastly. Coughing. On a Delibird. Farfetch. Welcoming Lantern et... Pas toi! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. On a quand même eu 2 V grâce au poulet. On s'en va bientôt pour la deuxième partie de cette boîte. Ciao!